Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Meteora89 et donc pour terminer ce fin de week-end, on va se faire un deuxième volume très rapidement après le premier, du coup, d'un album, trois morceaux où je vais plonger dans un album en particulier, vous diffuser après trois chansons favoris de cet album en question, et il y a 52 ans, jour pour jour, et oui, le 8 octobre 71 sortait en Angleterre. L'album culte de John Lennon, Imagine. Vous connaissez tous au moins la chanson. Bon, bref, je suis pas dans la merde parce que moi je connais que très mal cet album. Je connais que Imagine, la chanson. Donc, bref, je vais essayer de me démerder. Vous parler de cet album-là. Et donc, ça va être un peu la galère. Alors, attendez, excusez-moi. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a une liaison spéciale avec l'Amérique du Nord, le Canada pour être plus précis. Apparemment, j'ai un intervenant qui veut s'expliquer sur cet album. Bon, je vais laisser la parole du coup. Salut à tous, c'est French Vinyl Addict. Salut Meteora, très content de participer aujourd'hui à ta nouvelle série, un album, trois chansons, pour laquelle j'ai choisi de parler aujourd'hui du disque suivant. Vous l'avez reconnu, il est derrière moi, c'est le très iconique Imagine de John Lennon. Donc Imagine de John Lennon, plusieurs choses intéressantes à dire pour le présenter un petit peu. Il a 52 ans, il est paru le 8 octobre 1971 en Angleterre. C'est le second album studio que va réaliser Lennon, donc au sortir de l'aventure Beatles, mais également le dernier qu'il va enregistrer en Angleterre, donc son pays d'origine, avant de partir quelques mois plus tard pour les États-Unis, un petit peu en exil, dont il ne reviendra malheureusement pas. Ben, si on se penche sur l'ambiance un petit peu générale sur cet album, c'est assez hétérogène. On a à la fois des chansons très calmes, voire des ballades, chansons d'amour, mais on y trouve également des chansons un petit peu plus catchy, folk, je dirais même, qui donnent l'impression, comme Cripple Inside, qu'elles ont été enregistrées live, prises directes en studio. Mais également des morceaux, des chansons engagées, comme Lennon le savait le faire à l'époque. Je pense notamment à Gimme Some Truth, où on retrouve vraiment le Lennon contestataire, engagé politique. Puis ce qui est intéressant aussi, si on se penche sur le personnel, donc tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet album, ben, on trouve forcément Yoko Ono, Phil Spector, son producteur et ami de l'époque, mais également une partie du gratin des musiciens de rock britannique de ce début des années 70. Il y a George Harrison, son ancien comparse des Beatles, qui est venu participer sur quelques-uns des morceaux de l'album. On a également Alan White, le batteur, qui fait partie du projet Plastic Ono Band, qui avait été initié quelques années avant par Lennon et Yoko. Alan White, qu'on retrouvera l'année suivante en tant que batteur du groupe de rock progressif Yes. Et on trouve également Klaus Voormann, qui est un ami de longue date de Lennon, qui s'était rencontré en effet au tout début de la carrière lorsque les Beatles jouaient à Hambourg. Klaus Voormann avait gardé le contact avec Lennon, était venu quelques années plus tard à Londres tenter sa chance. Et c'est lui d'ailleurs qui, grâce à ses talents de graphiste, pour l'anecdote, c'est lui qui design la pochette de cet album. Donc Klaus Voormann avait designé la pochette de Revolver. Puis comme il est aussi très bon bassiste, il participe justement à quelques-unes des chansons sur l'album Imagine. Justement, en parlant de cet album, trois chansons, on va forcément commencer avec la plus connue, la plus iconique qui reste, on va dire, intimement liée encore aujourd'hui à la carrière de Lennon, Imagine. La première, la plage titulaire de l'album, une chanson magnifique vraiment avec une base piano-voix, avec des très beaux arrangements de l'époque. Et puis ce texte rempli de mélancolie utopique, décriant un petit peu le monde idéal. Complètement dans l'air du temps, quoiqu'en fin de période, on est quand même en 1971. Faut savoir que l'éclosion du mouvement hippie lié à la contre-culture, Woodstock, enfin le Summer of Love de 67, c'est déjà assez loin. On pense que voilà, cette rêverie est un petit peu vécue. Il y a eu Altamont entre-temps, qui s'est très mal fini. La guerre du Vietnam, on est toujours embourbé. Et puis l'album de Neil Young qui sort l'année d'avant, celui d'Imagine, After the Gold Rush, qui signifie après la ruée de l'or, qui sonne un petit peu le glas, qui ramène un petit peu tout le monde à la réalité. Ça n'en reste pas moins que cette chanson reste vraiment magnifique, encore plus de 50 ans après, et comme je le disais, encore très liée, on va dire, à l'œuvre de Lennon. La seconde chanson, Jealous Guy, qui est aussi un petit peu dans la même ambiance, piano-voix, qu'on trouve aussi sur la face A de l'album, qui est aussi une très très belle chanson écrite par Lennon à l'époque. Donc pour la petite anecdote, elle a fait preuve d'un recyclage. En effet, Lennon l'avait déjà écrit une première version lorsque les Beatles, quelques années avant, étaient en Inde, s'étaient retirés à l'époque. C'est une chanson qui fait l'objet d'ailleurs d'une démo qu'on trouve sur Internet, qui s'appelait Sounds of Nature.
Et voilà, bah, elle était restée un petit peu dans les tiroirs. Elle n'avait jamais été utilisée ni sélectionnée pour un album des Beatles. Donc Lennon la ressort pour Imagine, va garder la mélodie, va complètement retravailler le texte. Hein. Donc qui décrit justement cette relation un petit peu compliquée qu'il avait, je pense, avec Yoko. Et puis cette chanson aura également un succès une première fois. Et malheureusement, ben pour Lennon, un an après sa disparition, le groupe Roxy Music, mené par Brian Ferry, va en faire une reprise de ce titre, Jealous Guy, et le replacer dans le top des charts. Et donc pour finir, ben la troisième chanson, un petit peu différent au niveau de son ambiance, la chanson How Do You Sleep, qui est en fait une attaque un petit peu violente à l'encontre de son ancien comparse des Beatles, Paul McCartney, qui avait lui-même d'ailleurs déclenché les hostilités sur son album Ram. Hein. C'est un album qui sort quelques mois avant Imagine, le premier album qu'il fait avec Linda, avant que le projet Wings se concrétise. Sur cette chanson, il y a une chanson qui s'appelle Too Many People, qui critique un petit peu Lennon. Too many people, il y a trop de gens dans ton entourage, insinuant que c'est ce qui aurait un petit peu fait que Lennon ait pris des mauvaises décisions par rapport aux Beatles et puis par rapport à d'autres choses. Donc Lennon va lui répondre de façon assez violente, hein, il n'avait pas son crayon dans sa poche. Il écrit une chanson, How Do You Sleep, où si on se penche un petit peu sur les paroles, c'est assez violent. Voilà, il va dire des choses comme « Tout ce que tu as écrit, la seule chose que tu as faite, c'est yesterday. Tous ces tarés qui pensaient que tu étais mort ont raison. » Donc là, il fait allusion à justement une célèbre rumeur selon laquelle McCartney serait décédé dans un accident de voiture en 66 et se serait fait remplacer par un sosie. Et puis il finit en disant « Voilà, tout ce que tu as écrit, ça sonne à mes oreilles comme de la musaque. » Donc, sacrée ambiance. Heureusement, ils se sont réconciliés par la suite. En tout cas, ça reste un album, encore une fois, très, 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 très majeur de la carrière de Lennon. À titre personnel, qui m'avait vraiment donné envie de m'intéresser à la musique des Beatles à l'époque, lorsque j'ai découvert ça étant plus jeune, à la carrière de Lennon aussi, qui est, c'est sûr, beaucoup moins prolifique que les trois autres Beatles, forcément. Il a eu 10 ans, hein, entre la séparation du groupe et sa tragique disparition le 8 décembre 1980, avec une petite pause qu'il avait aussi prise pour s'occuper de son fils. Il y a moins d'albums que son ami McCartney, forcément, qui lui continue encore aujourd'hui en 2023 de sortir des albums. Mais en tout cas, ça reste tout à fait intéressant de se repencher sur sa carrière, sur ce qu'il a écrit à l'époque, son engagement politique, et puis cet album, voilà, qui a été fait un petit peu de manière directe. Il n'y a pas une énorme production, mais le talent des musiciens fait que ça tient franchement la route. Voilà. Ben voilà, donc merci encore à toi Météora, bravo pour ce nouveau concept, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut, bye. Je te remercie beaucoup à toi, French Vinyl Addict. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube, hein. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y faire un tour. Alors oui, ok, c'est en anglais, mais c'est d'anglais très très facile. Si vous avez des bases en anglais, c'est très très facile à comprendre. Et moi, ça me refait un petit peu ma petite culture des années 70, hein, puisque c'est un petit peu sa période de prédilection. Et donc voilà, j'aime beaucoup regarder ces vidéos-là, donc continue mon grand. Et bien entendu, si tu veux revenir un jour pour ce format-là, ou peut-être sur un autre format, qui sait, tu es la bienvenue. Voilà, je te remercie encore. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez participer du coup à ce format-là, comme l'a fait notre ami, et ben c'est possible, vous me contactez soit dans le commentaire YouTube, soit en message privé, dans les réseaux sociaux, comme vous voulez, vous prenez contact avec moi, et on organise un rendez-vous, et puis on fera ça, donc vous voyez que c'est pas difficile à faire, donc n'ayez pas peur, donc voilà, ça se passe très très bien, et je vous remercie encore une fois, et on se termine du coup avec les trois morceaux choisis par notre ami pour illustrer cet album-là. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, on se retrouve pour un nouveau format ou une nouvelle vidéo, c'est selon. Merci à tous, salutations. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.
sky.